Alors ici, voici la camomille romaine, Anthemis nobilis. Cette plante, la famille des composés, hein, avec des languettes blanches sur le pourtour et des fleurs en tube sur le centre, et des feuilles très divisées, très délicatement divisées. Eh bien, déjà le capitule est très odorant au froissement. C'est une plante dont on tire une huile essentielle, qu'on peut utiliser en phytothérapie également, pour calmer d'une part des états migraineux, pour traiter le foie, pour favoriser la digestion, comme calmant, notamment antispasmodique et digestive antispasmodique. C'est une plante intéressante pour les terrains allergiques, essentiellement les rhinites allergiques et les problèmes oculaires, les tendances à avoir des yeux qui gonflent, des douleurs oculaires, des migraines ophtalmiques, etc. Hein, c'est une plante très intéressante qui est assez spécifique des milieux méditerranéens. Hein, c'est plutôt une camomille méditerranéenne. Voilà, donc plante médicinale assez classique, hein, s'il en est, dont on utilise surtout le capitule, c'est-à-dire la partie fleurie.